Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag et ce sera le tag Pégagie, les 12 livres à lire en 2018. Donc on commence tout de suite et il y a en tout 12 questions. Donc 1. Le livre le plus attendu de l'année. Alors il s'agit toujours, comme l'an dernier, de Let the Sky Fall, le tome 3 de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Donc je l'espérais pour 2017, il n'est pas sorti, donc j'espère vraiment que cette année on l'aura et que je pourrai le découvrir. 2. Un livre Pégagie, donc ce sera Elia et la passeuse d'âme, dont j'espère lire le premier tome cette année, pouvoir me procurer le tome 2, dont je vous mets la couverture là, qui vient de sortir. 3. Une série que j'aimerais terminer. Si on n'avait qu'une, ça se saurait. Je vais dire Changing de Maria Giromalé, dont il me reste un tome à finir et que j'aimerais beaucoup connaître le dénouement final. 4. Un livre d'un auteur que vous aimeriez découvrir. Donc ce sera bientôt chose faite et ce sera Ariel Holz avec entre autres les Sœurs Carmine. 5. Un livre que je voulais lire en 2017 mais que j'ai dû repousser la lecture. Là c'est pareil, c'est pas ce qui manque. Mais on va dire Je suis ton soleil de Marie Pavlenko publié chez Flammarion Jeunesse. 6. Un livre qui traite de sujets d'actualité. Donc pour ma part ce serait, il y en a deux, c'est Complot et Vivant publié aux éditions Scrinéo. Et qui viennent tout juste de sortir. 7. Le nouveau livre d'un auteur dont vous avez lu tous les livres ou presque. Donc là, ce sera La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Où j'ai lu une partie des Rebecca King, j'ai lu tous les Malenfers, tous les Sombres Terres. Et il me restera aussi Les Sœurs Charbray et Les Aventures de Julie Dumont. Mais en tout cas, la nouvelle série adolescente me fait très 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 envie. 8. Un livre dans votre genre de prédilection. Ce sera encore des nouveautés et d'un auteur aussi que je lis beaucoup. Et ce sera, alors si je ne me trompe pas, c'est Les Gardiens de la Comète qui sortiront tous les deux en février et qui sont de Olivier Gay qui sont à paraître chez Rajo. 9. Un livre qu'on m'a conseillé. Il s'agira de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder chez Scrinéo. 10. Un livre dont je ne sais pas grand chose. C'est pas ce qui manque. Parce qu'il y a des résumés que j'ai lus. J'avais mis dans ma wishlist les livres. Et je les ai achetés, mais entre temps, j'ai largement oublié de quoi il s'agissait. Donc c'est pas trop non plus ce qui manque, mais bon. Je dirais Horizon Crash, le tome 1 de Scott Westerfeld, publié chez Albin Michel. Donc voilà, je l'ai acheté. Je sais juste que c'est une dystopie, c'est tout. 11. Un livre écrit par un auteur de ma nationalité. Là encore une fois, c'est pas ce qui va manquer. Voilà une question qu'elle est bonne. On va dire Les Plieurs de Temps, le tome 2 de Manon Farguéton, publié chez Rajo. Et 12. Un livre que vous avez déjà lu en 2018. Là non plus, ça va pas être très compliqué. Et je vais vous dire celui que je viens de finir aujourd'hui au moment où je vous tourne cette vidéo, Angelica Varinen, le tome 1 de N.M. Zimmerman, publié chez Flammarion Jeunesse. Et voilà, ce tag touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, c'est vrai que j'aime toujours beaucoup les tags PKJ. Alors, il y en a quelques-uns que j'ai pas fait, tout simplement parce qu'il y avait trop de questions à laquelle j'avais vraiment pas de réponse. Parce que c'est des sujets un peu plus délicats, donc je préférais pas les faire. Mais en tout cas, c'est des tags que j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser les liens en commentaire si jamais vous les avez repris, que ce soit en article ou en vidéo. Je me ferai un plaisir d'aller les voir. Ou alors, dites-moi simplement ce que vous auriez répondu dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !